Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la vidéo J-2 de Call of Duty Black Ops 3 bien évidemment. Dans 2 jours les mecs, c'est juste énorme. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire une petite partie en groupe. Donc pour ceux qui jouent depuis longtemps à VO2, ça doit leur dire quelque chose. Et c'était vraiment un mode qui moi m'a quand même pas mal marqué, c'est tout simplement le caillou bâton. Voilà, bon, avant c'était pas partie mix comme ça, c'était dans plusieurs colonnes. Il y avait le jeu d'armes, bien évidemment, caillou bâton, une balle chargée et tireur d'élite, donc que je ne connais pas. Donc on va tester ça tout simplement. Peut-être qu'on tombera pas sur tireur d'élite, écoutez, c'est pas bien grave. Hop, on va rentrer directement dans une partie, en plus c'est l'avantage, ça va vite. Donc voilà, donc je comptais également voilà, vous poser votre avis, entre guillemets, parce que depuis le début de cette semaine, je fais, entre guillemets, qui exposer mon avis. Et donc du coup, j'aimerais bien essayer d'avoir le vôtre également, notamment pour ce mode, parce que je trouve que c'était vraiment cool entre potes. De faire ces petits modes de jeu, ça allait vite, c'était sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire... qu'est-ce que vous en pensez de ce petit mode? Il était assez sympa. Bref, donc on se retrouve donc sur la petite map cargo. Bah, tireur d'élite, justement. Donc, on va bien voir qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas trop. Ça se trouve, ça va être un massacre, mais c'est pas bien grave. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo, entre guillemets, que je sors. Que je n'ai pas tourné à la suite, tout simplement. Faut savoir que donc les 5 autres dernières vidéos ont été tournées en avance pour éviter, pour prendre de l'avance tout simplement. On fait tirer dessus. Je sais pas qu'est-ce que ça fait tireur d'élite. Je sais pas ce que ça fait. En fait c'est un truc, c'est coflingue. Ah d'accord, quelqu'un qui veut exprimer son avis. Comment t'as pas pris ton cut? Oh là là, ils sont pleins. Ok, alors à mon avis, c'est coflingue. Je sais pas trop. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Écoutez, bah ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va essayer de pas trop mal s'en sortir. Il est AFK lui ou comment ça se passe? Ça, ça me shot même pas dans la tête. Ouais, ouais, bah ok, bah il était AFK. Il était. Ah non, on n'est pas tout le temps qu'au putain de. D'accord. +0, comment ça? D'accord. Alors autant vous dire que je suis complètement perdu. C'est la première fois que je fais ce mode de jeu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être que ça y était avant, mais ou alors je m'en rappelle plus, je sais pas. Mais ça me rappelle vraiment rien. Hein. Genre rien du tout, c'est abusé. Oh là là. Et j'ai l'impression qu'ils. Même pas jouer à leur balle tirée quoi. Ok. On va essayer de l'avoir lui. Par contre. T'as pas l'impression. Mec. Attends. T'as pas l'impression. Eh mais putain. Eh mais. Sans déconner quoi, les mecs. C'est quoi cette arme quoi? Putain, l'arme qui tire des on sait pas. Putain, et pour vous dire, j'étais prêt quoi. C'est enfin, chaud quand même. On peut tirer de là. Enfin, on a toujours une balle en plus au cas où. Oh là là, et là vous entendez des bombardements de partout, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Et j'ai vraiment perdu l'habitude de regarder la mini carte en même temps le jeu, hein, tout simplement. Avant je me repérais beaucoup à la mini carte. Et là au moment où je vois le mec sur la mini carte, bah, c'est déjà trop tard en fait. Faut dire que là maintenant c'est un peu les vétérans en soi de ce code hein, qui reste. D'accord, on passe à une autre arme, très bien. La haine. Et bah écoutez, avec ça, ça va tout de suite mieux. Ok, on gagne des petits atouts. Ok, mais oh là là, faut comprendre. Hein. Genre vraiment. Hop, on l'arrache. En fait, je pense que le mieux, c'est d'essayer de rester un peu un endroit. Sans forcément camper, hein, je pense. Mais peut-être se barrer par là, je sais pas. En vrai, Cargo, c'est vraiment une map que j'adore. Hein. Et que j'adorais et que j'adore toujours hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une map pas forcément facile en soi à jouer. C'est peut-être un des seuls contres que je pourrais donner à cette map. Là ça m'a fait très peur, on a passé direct au 4. C'est n'importe quoi. Écoutez, j'ai un x2. Je sais pas trop ce que c'est. Au 4 là ça va quand même pas mal se jouer. À la co, ouais, donc voilà, MDR. Non, là, j'ai un peu loupé mon coup, on va pas se le cacher.
Ouais, bon, là, par contre, là, voilà, quoi. Clairement, Mako n'est pas avec moi quand elle sent. Ah, ouais, là, j'ai des montées de coups. Bon, écoutez, c'est pas très, très grave, hein. Donc voilà, donc ouais, donc comme je disais, je suis très 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 heureux en fait, tout simplement des retours qu'il y a eu. Voilà, on l'a eu lui. Des retours qu'il y a eu en fait sur les autres vidéos, tout simplement. Car c'est vrai que vous avez globalement tous apprécié, on va dire, malgré que ce ne soit pas quelque chose d'habituel. Bon, j'avais même pas envie de le tuer vu qu'il était AFK, mais bon. Hein, voilà, tant qu'à faire, ça fait des points gratuits. Hein, ça rééquilibre un peu la co. Putain, il y a un mec qui a. Oh putain, j'ai cru voir qu'il avait genre 5 de ping. J'étais en mode. Ah ouais, d'accord. Donc lui, toi, je veux ta co. Genre vraiment. Oula. Il y a un autre qui va arriver, non? Ok, il a fait moi, je me tire. Il est là. C'est l'AFK. On le tue, on le tue. Aucune peine. Aucune peine, on le tue. Hop, on va monter là-haut. Et voilà, oh là là, non, on est trop à la ramasse. Regardez le score. Ah, mais franchement, c'est sympa. C'est quoi cette arme? C'est le. Ouais, c'est le fusil d'assaut coup par coup. Oh, d'accord, très bien. Donc, ouais, c'est ça, c'est le truc fusil d'assaut là. Et ça tue vite, oh le bordel. C'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal comme arme. Je savais que la fal tuait vite aussi. Mais celle-là, ouais, j'avais pas souvenir. Et c'est vrai qu'elle est pas mal. Ok. Bon, là, c'est bientôt la fin. Autant vous dire qu'on est perdu. Hein. Genre, vraiment, là. Et on doit pas. Oh, et on n'est pas dernier. Donc, ça va. Franchement, je suis content. Là, là, tout le monde campe jusqu'à la fin, quoi. Il y en a, il devait être à presque égalité, je pense. Non? Ah, non, non, ça va. Il avait une petite longueur d'avance. Ça va. Ok, bon. Eh bah, écoutez, bah. Bah voilà, on va dire un petit GG, un petit go, voilà un petit go, non un petit GG. Non franchement c'est pas mal, franchement c'est pas mal, j'aime bien. Après voilà, il faut peut-être pas forcément jouer sur Cargo parce que comme je vous ai dit c'est vraiment une map qui est, enfin pour moi hein, personnellement, après voilà, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais assez dur un peu à jouer. Ok, bon bah très bien. On va jouer sur Raid à mon avis, jeu d'armes. Pourquoi pas, bon je suis pas spécialement fort en jeu d'armes, mais bon, enfin le truc c'est quand tu prends un retard, après c'est chaud, mais bon. Par contre on a tous limite, voilà, le mec a aucune peine. Non mais voilà, donc du coup, oui, donc comme je vous disais, donc je suis très très heureux, bien évidemment, hein, du retour, parce que bah, au final, voilà, il y en a aucun qui a vraiment râlé, parce que voilà, hein, c'est quand même cool, donc voilà, donc un grand merci à vous. Je tenais à vous dire également que cette vidéo est peut-être sortie un chouïa en retard, mais genre un chouïa, genre 2 heures en retard, tu vois. C'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, bah, je ne tourne pas tout à la suite. J'ai tourné, j'ai fait une première session, on a beaucoup tourné. Et là, bah, la J-2 et la J-1, bah, il me la manque. Et donc, du coup, là, au moment où je tourne, c'est mardi soir, très tard. Enfin, pas très tard, mais voilà, quoi, 11 h. Mais voilà, il faut vite que je fasse le rendu, que je l'upload pendant la nuit pour que vous l'ayez, bah, jeudi, au moment. Non, vendredi, mercredi, mercredi. Mercredi, et oui, mercredi, donc demain au final, donc ça va être assez speed. Et demain, donc du coup, je tournerai un zombie. Putain, merde, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser le couteau. Fuck! C'est pas grave, t'inquiète pas, on va se rattraper. Hop, donc du coup, voilà. Donc, oh, regardez-le lui. Donc du coup, ça va demain, donc à mon avis, je vais vous faire un petit zombie. C'est pas grave. Là, les mecs, il y en a, ils sont déjà au KG, je sais pas si c'est loin. Oh putain, va vraiment falloir peut-être pas camper, mais bordel, c'est censé one shot, bordel, non. Ok, dommage, dommage. Bon, à mon avis, là, ça sera la partie de merde. C'est pas bien grave, on va apprécier bien évidemment les décors de raid hein, qui sont juste subliminaux. Le 4 est pas mal avec ce truc, je me rappelle. Non mais. Ok, allez, ne pas savoir tirer, c'est pas compliqué. Oh, pas mal. Pas mal là. Oh oh oh. Ah mais il va me griller là. Si j'arrive comme ça. Ah oh, putain, c'était obligé. C'était obligé. Ouais, voilà, le mec s'est directement tourné. Il y en a, ils ont les yeux rivés sur le radar. Hein. Vraiment, enfin, ouais, c'est une habitude que j'ai un peu perdue. Il y a un mec là, ouais, voilà. Là, c'est le problème.
Ah, ils sont déjà à MP, l'M29, je sais plus, l'M27, un truc comme ça. Là, là, ça va vraiment être dur. Là, vous allez sentir le noob, entre guillemets. Enfin, si, bon, voilà, je me prétends pas être un dieu, hein, bien évidemment. Hein. Hop, ça serait vraiment vantard de dire ceci. Oh, il est mort, lui. Ok, très bien. Ah, non, mais là! Et incroyable! Il avait quoi comme arme? Putain, j'ai l'impression que le mec en plus, tu sais, il tire, mais en mode balèque quoi. Oh! Oh 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 oh! On passe, ok. On va faire les techniques commando, les gens. Putain, mais c'est barré là-bas. Et il y en a qui. Oh oui, on a dépassé. Oh non, exécuteur, c'est encore pire. Putain, 5 balles en plus. Oh là là! Et se tient dans la tête les gens, je te dédicace à vous. C'est grâce à lui que j'ai pu one shot. Bon bah là par contre voilà quoi, clairement. Clairement autant dire que j'étais pas déçu. Hop, oh oh oh. Est-ce que ça touche de là? Oh ça touche. Mais par contre bon bah ça tue pas. Bref bon voilà il faut. Mon avis, cet endroit là ça devrait peut-être passer là où je suis. Et pas mal, pas mal. Attends, mais j'ai vraiment l'impression que tous les gens sont passés par ces armes sans déconner. Mais c'est quoi ces pompes pourries là? Non, mais please, mec. Le mec, je lui mets 10 rafales, putain. Et c'est vraiment. Ma co n'est pas du tout stable, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est. Ou alors c'est simplement que j'ai perdu vraiment le rythme. Mais... Encore pire que ce que je pensais, hein. Ah, c'est bon, on a enfin eu quelqu'un. Oh oh non, Nick Mook, c'est bon. Ya, c'est bon. Ya, c'est bon. Ya, c'est quoi ça? La chicane, merde. J'ai pas joué cette merde. On part. Partons. Non, tu m'as volé mon kill. Putain, sale race. Oh oh oh. Et lui, je l'avais même pas vu. Oh. Super ce jeu. Ça à quoi ce visage? J'ai compris. Alors regardez à travers les murs, bien évidemment. Oh. Monsieur, faut mourir, bordel. Sanguinaire, et on m'arrête plus. On m'appelait l'inarrêtable. Et regardez, j'esquive même les balles maintenant. C'est quoi ça? Ok, putain. Et je voyais même pas les armes que j'avais. Regardez. Hop, tout de suite plus simple. On passe le KSG ou le truc de merde là, je sais plus comment ça s'appelle. Et tout de suite, voilà quoi, hein, on voit les efforts fournis bien évidemment de CSGO. D'accord, bon lui par contre il me dira quand il sera barré assez loin. Oh le détecteur de cible, le truc de noob, lol. Non, brise pas ma série. Bon bah triste. Et j'ai bien remonté, franchement, je suis assez content. J'ai dit assez, hein, bon voilà. Y'a yeah. Eh, pas mal. Bon, y en a, ils ont déjà passé cette arme depuis depuis belle lurette, comme on dit. Mais bon, à quoi bon? Je sais pas c'est quoi ma touche pour viser. Ah bon bah voilà, ça va plus vite. Ma touche pour viser était inexistante. Enfin ma touche pour zoomer, hein, vous m'avez compris. Du coup je suis dans la killcam mais pas au bon endroit. Oh putain, la tristesse quoi. Ah, en plus, d'accord, le couteau que je n'ai pas entendu. Donc là, on me voit vraiment. Je ne campais pas, hein, bien évidemment. Ok, et ben franchement, un score plutôt positif vers la fin. Donc c'était pas mal. Bref, donc oui, comme je vous le disais, donc je n'ai pas énormément de temps ce soir, bien évidemment. Donc du coup, voilà, on a fait deux petits games. On a testé le. Qui était une découverte pour moi, le petit tireur d'élite, voilà. Et le petit jeu d'armes, donc c'était vraiment cool. J'espère au moment qu'ils remettront ces modes de jeu sur BO3, ça peut être vraiment cool, bah, en compagnie de vous, bien évidemment. En compagnie de vous, c'est beau cette phrase. Bref, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci
À vous tous, voilà, d'avoir regardé ce, bah, toute cette semaine. Au final, il reste demain, donc j'essaierai de vous poster un zombie. J'espère vraiment que ça ne va pas foirer parce que il y a des rendus qui se sont perdus, des vidéos qui bah, n'ont jamais été postées parce que voilà. En tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait énormément plaisir et ça me ferait progresser sur YouTube. Voilà, un grand merci à vous. Bref, je vous rappelle également que BO3 est en réduction, moins 10 € sur GamesPlanet, les liens sont dans la description. Bye bye!